Le décryptage de l'actualité sur UDM Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le forum des rédactions sur votre chaîne en préféré. Trois sujets à décortiquer, bien sûr, au cours de cette émission. Communication gouvernementale, que cache la récente sortie du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Rouna, qui était dans plusieurs localités du centre Bénin, dont Dassazoumé, Banté et puis Savalou. Un second sujet, et bien sûr, également sur lequel nous allons opiner au cours de cette émission présidentielle 2021. Talon entretient-il le doute sur sa candidature quand la question lui a été posée au cours de sa dernière visite aux États-Unis? Vous avez tout suivant, et bien sûr, des réponses du président Patrice Talon, pour qui 2021, en tout cas une candidature pour 2021, n'est pas encore la priorité. La priorité, et bien sûr, ce sont donc les réalisations, le bilan. Nous aurons le temps donc d'en parler. Et un troisième sujet, visite bien sûr de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Bénin. On retient des propos du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le chef. Et bien sûr, le président de l'Assemblée ivoirienne, que simplement le Bénin est un temple de la démocratie dans la sous-région. Donc, mes deux confrères auront donc à essayer de décortiquer ces sujets évoqués qui ont fait le tour des réseaux sociaux, mais également des médias au cours de cette semaine. Voilà donc pour le décor planté pour le forum des rédactions. Oui, deux confrères de la télévision que vous connaissez très bien, auditeurs ou téléspectateurs d'Eden Télévision, peut-être auditeurs également de Diaspora FM, c'est le même groupe pour faire donc ce débat avec moi, Gilles Christidi, journaliste politique. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir, Merci Conan. d'avoir Bonsoir à tous accepté les notre téléspectateurs. invitation. Voilà. Vous Merci. n'êtes pas, disons, un novice, vous êtes bien connu des Merci. écrans au Bénin. En face de vous, Arnaud Moriagua, mon confrère. Qui est aussi très bien connu. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, collègues, bonsoir, téléspectateurs de EDN TV. L'équipe de réalisation, Martin Toy ici à la réalisation, Denis Maroya, bien sûr, à la caméra, et puis Jean-Baptiste Bocor, également à la caméra, et puis au son aussi pour nous accompagner sur cette émission du Forum des rédactions EDN Télévision. On lance le décor avec, et bien sûr, le reportage justement sur la descente du ministre porte-parole du gouvernement dans ces localités du centre Bénin. Le gouvernement au contact de la population, c'est la nouvelle initiative du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Rouna. À cet effet, il est descendu les 30 et 31 janvier 2020 dans certaines communes du Bénin, notamment Dassazoumé, Banté et Savalou, pour apporter aux populations les vraies informations liées à la gestion du pays par le gouvernement de la rupture. Le gouvernement du président Patrice Talon, qui est resté silencieux et a travaillé pendant 3 ans après avoir posé son diagnostic, a estimé qu'il fallait qu'il se rapproche des gouvernés, des enfants de ce pays, afin de s'expliquer sur ce qui se fait, sur les projets que nous avons, sur la vision de ce pays que nous voulons bâtir ensemble, et recueillir évidemment les doléances, les requêtes, les préoccupations, les mécontentements, les frustrations, les exigences. Première étape de cette tournée, la commune de Dassazoumé, où une foule immense attendait le ministre Alain Rouna et sa délégation. Démarrée à 15h pour finir à 17h, c'est à 20h30 que la rencontre a pris fin sur une note de satisfaction des populations très reconnaissantes au président de la République, Patrice Talon, pour les nombreuses actions menées dans le cadre de l'accès à l'eau potable. Elles n'ont pas manqué de réclamer leur lot d'asphaltage pour le développement de leur commune. À Banté, qui constitue la deuxième étape, ce fut le comble. Contrairement à ce qui était ressassé concernant cette commune considérée à tort ou à raison comme une zone hostile aux réformes, les populations ont démontré tout le contraire. Sorties massivement pour écouter le ministre, ce fut l'occasion pour elles de lui soumettre leurs doléances. Une occasion pour les sages, notables, élus et jeunes de Banté, d'implorer le pardon du chef de l'État pour avoir combattu son avènement au pouvoir. Elles n'ont pas manqué de lui témoigner leur soutien. Savalou, dernière étape de cette mission gouvernementale.
Alain Oroula et sa délégation s'y sont rendus pour le même exercice, vulgariser les actions du gouvernement dans le département des collines où 400 milliards de francs CFA ont été consacrés pour l'accès à l'eau potable. Une occasion pour ces populations de remercier le président de la République pour la construction des différentes voies qui ceinturent leur commune. Doléance principale ici, les populations ont souhaité l'augmentation du prix du cajou dont la baisse les défavorise. Ainsi s'est achevée cette première tournée du ministre Alain Oroula dans sa nouvelle mission « Gouvernement au contact des populations ». Une initiative qui fait suite à la séance désormais mensuelle « Gouvernement face à la presse JFP » réservée exclusivement aux professionnels des médias, des tribunes, pour apporter les vraies informations aux populations et même. Le gouvernement multiplie alors ses actions de communication pour certainement une visibilité, en tout cas, après l'initiative gouvernement face à la presse. C'est donc gouvernement au contact de la population. Le ministre Oroula qui était donc à Dassa, Banté et Savalou. Gilles Christ Tidi, nous avons suivi dans ses propos tout à l'heure le ministre Oroula. Pendant 3 ans, le gouvernement est resté silencieux, mais beaucoup de choses ont été réalisées et c'est le moment d'en parler aux populations. Oui, avez-vous ce sentiment que le gouvernement est resté vraiment silencieux pendant 3 ans? Et pourquoi maintenant aller au contact de la population? C'est vrai que sur ces différentes questions, les réflexions peuvent se mener dans tous les sens. Ce que je retiens d'abord, c'est que les Béninois ne sont pas naïfs. Même si on a l'impression de croire que les gens ne parlent pas, ne disent presque rien sur la scène publique, les gens pensent tout bas quand même ce qu'ils doivent penser. Et vous savez, depuis 2016... Et qu'est-ce que les gens pensent? Voilà, depuis 2016, le gouvernement qui est là a certainement pris des décisions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, qui n'ont peut-être pas été perçues comme le gouvernement aurait voulu que ces actions soient perçues. Le déguerpissement est un exemple. Beaucoup de décisions, peut-être salutaires, peut-être avec des choses à redire. Le gouvernement n'est jamais monté sur le terrain de cette façon. Alors, pourquoi ça se fait maintenant? D'abord, première sous-question. Est-ce qu'on a besoin de communiquer? Oui. Mais pourquoi maintenant communiquer? C'est là où on peut faire des analyses. Il est impossible actuellement pour et les hommes des médias et les analystes politiques et même les observateurs de la vie tout court, c'est impossible pour tout un chacun de faire un lien avec les prochaines élections. Et nous savons que nous avons encore 2 grands rendez-vous électoraux pendant lesquels les différents acteurs politiques ne veulent pas se laisser faire, notamment les communales, municipales et locales de 2020. Donc, on a même déjà convoqué le corps électoral. La présidentielle de 2021, c'est capital. Et les 2 élections se suivent comme une chaîne parce que les candidatures de la présidentielle doivent être parrainées par les élus des communales. Donc, ça change tout. Et j'ai l'impression que le gouvernement a compris qu'actuellement, il faut monter sur le terrain pour se faire entendre. Les populations n'ont pas toujours vu... Est-ce que vous pensez à une pré-campagne déguisée? Même si on ne le dit pas ainsi, vous savez, c'est un peu toujours délicat de qualifier un gouvernement qui est là, de faire de la pré-campagne. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui dirige, qui prend des décisions, a besoin de les expliquer. Alors, lorsqu'on fait ces explications, le tout maintenant, c'est le vocabulaire, le contexte, comment est-ce que ça a été fait, la forme. Est-ce que pendant, par exemple, les rencontres publiques, le discours sur le terrain, est-ce qu'on essaye d'agir sur la mentalité des populations, notamment en leur disant, bon, nous sommes là depuis quelque temps, on travaille pour vous, donc vous savez que pour les prochaines fois, il va falloir continuer. Des discours de ce genre sont à considérer comme des discours électoraux ou encore dans le cadre d'une pré-campagne. Actuellement, peut-être qu'on va y revenir, on va un peu voir un peu, est-ce que ce qui se dit est dans le cadre de la manipulation de griffes des populations ou pas, mais toujours est-il qu'on ne peut pas faire une analyse objective sans faire un lien, objectivement. D'accord, donc de revenir à vous, Arnaud Moriagua, pour une réaction. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes passés d'un régime à un autre en 2016 et en ce moment même, vous saviez comment le chef de l'État d'alors était en contact de la population. Il n'y avait pas d'édition sur une télévision sans qu'on ne voit le chef de l'État quelque part au contact d'une population et tout. Et donc, le changement a été très brusque, puisque le chef de l'État qui a suivi, c'était peut-être que les populations étaient habituées à leur chef d'État, à échanger avec lui, mais ils ont connu un chef de l'État qu'ils n'ont pas vu
comme l'autre chef de l'État qui descendait sur le terrain, et déjà, ils ont senti leur président distant. Donc, c'est le premier constat. Après, on a compris plus tard que, oui, à un moment donné, il se disait dans l'opinion publique, oui, le gouvernement qui est arrivé là ne fait pas du social, on ne les voit pas sur le terrain, ils ne sont pas au contact de la population, gouvernement maquette, ils ne font rien. Et finalement, il a fallu 4 ans, il a fallu 4 ans, au bout de 4 ans, et vous avez vu ce changement qui a été opéré. Personne ne voyait le gouvernement venir quand le ministre Oroun a été nommé. Et quel rôle allait-il jouer? Qui pouvait le dire? Finalement, il a été nommé, ça a été très vite, porte-parole du gouvernement, contact avec la presse pour informer par rapport à des situations. Et finalement, on voit une descente sur le terrain. Et donc, tout cela coïncide, coïncide avec l'année électorale. On ne sait pas si c'est un hasard ou c'est fait exprès. Oui, mais ce que nous savons. Poser la question. Oui, c'est à ça que je veux répondre maintenant. Parce que je suis en train de faire des analyses. J'ai établi d'abord les bases et maintenant je vais maintenant aller vers la réponse. Et donc, on constate bien que le ministre Oroun là, vient d'effectuer une descente sur le terrain, notamment à Dassa, Banté, Savalou, la région des collines. Et il a même, je ne sais pas si je l'ai bien entendu, il a même dit qu'il est fils de, qu'il est natif de quelque part. Je ne sais pas si je me trompe, c'est bien lui qui a dit ça, non? Je pense qu'il a dit ça quelque part dans l'une de ses interventions. Voilà, très bien. Et donc, il a d'abord dit que le gouvernement est resté silencieux, que c'est l'impression que les populations ont, et qu'ils viennent maintenant vers elles pour pouvoir recueillir des doléances, des exigences. S'ils ont des frustrations, ils vont le dire et tout. C'est une très bonne démarche. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement sans résultat a présenté aux populations, est-ce qu'il pouvait effectuer cette descente sur les populations, vers les populations? Le gouvernement pouvait être hué, on pouvait les renier, on pouvait. Mais aujourd'hui, les populations même sentent progressivement. Mais c'est quoi le résultat dont vous parlez? Les efforts qui se font. On dit tout le temps, voilà, asphaltage, route par-ci, apport aux populations, le social dont on parle, les crédits et tout. Donc, aujourd'hui, quand même, le gouvernement a des motifs de satisfaction pour aller recueillir des doléances, des suggestions auprès des populations. Mais quand cela coïncide avec l'année électorale, ça prête un peu à confusion, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas des fins électoralistes? En tout cas, cette sortie ne passera pas comme si elle était une sortie simple. Et on va souffrir que les gens pensent que oui, c'est une pré-campagne et tout. Oui, comment peut-on effectuer cette sortie-là sans quand même essayer de gagner plus la confiance des populations qui pourra forcément arranger lors des prochaines joutes électorales? Alors, Gilles Christ, dites-nous d'abord, je vous retourne la question aujourd'hui. Est-ce que, vu le contexte, et surtout les propos, puisque vous avez commencé par évoquer ces points, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à une pré-campagne ou simplement à une action de communication? Et justement, et pourquoi le choix pour une première sortie de cette localité? Très bien. Bon, d'abord, mon rôle n'est pas de dire que le gouvernement est dans une pré-campagne, je ne pourrais pas le dire, mais je voudrais quand même attirer notre attention sur certains faits, objectivement. Vous voyez, le gouvernement a fait pas mal de bonnes choses pour les populations. On a construit une centrale électrique thermique de plus de 120 mégawatts sans que le chef de l'État lui-même ne se déplace pour ne serait-ce qu'une visite de chantier, encore moins l'inauguration. Il ne l'a pas fait. C'est son ministre, Donald Jean-Claude Oussou, qui a inauguré la centrale. Après, les différents chantiers que le gouvernement a pu inaugurer ça et là, c'est vrai que le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas été très prolifique en pose de première pierre ou en action d'éclat sur le terrain. Ou en repose de pierre. Voilà. Bon, on n'a pas vu ça assez. Et les quelques décisions peut-être de nettoyage, de réforme que le gouvernement a dû prendre ont suscité beaucoup de grincements dedans. La réforme du système partisan était le clou de toutes ces réformes. Et le gouvernement a été peut-être à des moments donné incompris par ces populations. Pourquoi le gouvernement
sans maintenant le besoin de sortir. D'abord, premier point. Vous voyez, j'ai tout à l'heure parlé de l'inauguration de la centrale sans que Patrice Talon ne se déplace. Mais vous voyez Patrice Talon sur le terrain pour constater de visu les épis, enfin les digues. Tout à fait, que, la protection, les zones de protection de la côte. Justement, à Vlekete, à Ouida. Après, on le voit dans une usine à Alada. On se demande parfois, mais c'est quoi le but de cette descente? Peut-être, oui, c'est pour aller s'enquérir de l'évolution des chantiers, des travaux, présenter aussi aux populations les raisons réelles de telle ou telle décision. D'ailleurs, on a eu l'occasion de l'entendre dire qu'aucun gouvernement ne cherche le mal de se gouverner dans aucun pays. Peut-être que ça a suscité des applaudissements. Mais actuellement, pourquoi le gouvernement doit sortir? D'abord, pour expliquer tout ce que je viens de dire. Voilà. Oui, d'abord pour expliquer tout ce que je viens de dire. Ensuite, le chef de l'État, ne l'oubliez pas, lorsque on lui avait posé la question juste après le rejet du projet de révision constitutionnelle en avril 2017, il disait que désormais, étant donné que la question du mandat unique n'était plus d'actualité, parce que le projet étant évacué, désormais il va voir si, à l'issue de son mandat, s'il pourra revenir, on lui dit « Est-ce que vous allez vous représenter ?» Il dit « J'aviserai ». Plus tard, il dira dans la presse internationale qu'il pourrait se représenter si les conditions étaient favorables et si son bilan, lui, témoignait quand même quelque chose de positif. C'est le moment de commencer à défendre ce bilan, le présenter et à mesurer la réceptivité au sein de la population. Et c'est ce que le gouvernement lui-même a commencé en général. D'abord, les points hebdomadaires du Conseil des ministres. Vous voyez qu'au-delà d'un simple compte rendu du ministre Alain Oronla, il y a une question, une séance de questions-réponses où les journalistes s'adresse au ministre, soit sur les points relevés à l'occasion du Conseil des ministres, soit sur d'autres préoccupations urgentes de l'actualité nationale. Le ministre répond sans tabou. On a encore trouvé que ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant créer encore une autre rencontre avec les hommes des médias, gouvernement, avec la presse, quelque chose comme ça. Où le ministre Alain Oronla convoque la presse pour débattre des sujets de l'actualité. Sur le grand sujet, justement. Et comme si ça ne suffisait toujours pas, étant donné que les hommes des médias n'ont pas toujours des tranches assez larges pour tout diffuser, le gouvernement lui-même va sur le terrain. Et vous avez vu le ministre Alain Oronla qui disait, vous avez dit tout à l'heure, il disait à Banté, je suis de chez vous, je suis avec vous. Et les populations de Banté lui ont dit, on se sent un peu délaissé parce que nous avons l'impression que nos leaders politiques se réclament un peu des partis politiques de l'opposition, donc ne soutenant pas votre action au gouvernement, et que vous nous avez délaissés. Et le ministre de dire... Non, c'est peut-être un problème de mal compréhension. Le gouvernement ne vous a nullement délaissé. Le chantier de développement est très vaste, qu'il fallait commencer quelque part. Donc, pas par vous. Vous voyez, c'est un exercice assez délicat auquel s'adonne le gouvernement par la voix de son porte-parole, le ministre Alain Oronla. Et je crois qu'on va encore en avoir assez jusqu'à ce que les élections arrivent. Et nous verrons d'abord les résultats des communales. Ça va déterminer la suite pour la présidentielle. Si Patrice Talon a su convaincre les populations, ça va se jouer à ces élections. Et ils le savent. Et l'autre donnée, peut-être pour finir, alors, c'est que vous voyez... Alors, ça veut dire que quand on suit ce raisonnement, on pourrait penser... Oui, ça dit que... Oui, on pourrait penser... Je l'ai dit, Oui, on pourrait penser. Nous sommes au conditionnel. On pourrait penser à tous les cas d'hypothèse. L'autre donnée qui vient, peut-être que je vais avancer pour vous laisser la parole, c'est que, vous voyez, les législatives de 2019 se sont déroulées dans un contexte assez particulier où, à l'arrivée, on constate une Assemblée nationale constituée exclusivement des partis politiques soutenant l'action du gouvernement. Le chef de l'État a eu l'occasion de dire qu'il n'en était pas fier, mais c'est un fait, c'est là. Après, on a organisé un dialogue politique, on a dû revoir les lois électorales, la Constitution a été touchée. Tout ça, ce sont des points sur lesquels le gouvernement devra rassurer les populations pour leur dire on a fait tout ça, certes, mais ce n'est pas pour votre mal, c'est pour votre bien. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Peut-être bien. Parce qu'on en touchait à la loi fondamentale sans forcément qu'il y ait véritablement un large débat autour. Je suis d'accord avec vous. En ce moment, on s'est dit que c'est non, ça ne concerne que des acteurs politiques. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est peut-être pas médecin après la mort? Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans quelques mois, il y aura peut-être l'ascension. Oui, justement. Par les unes qu'il faut sortir maintenant pour discuter. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'occasion est à la clarification, aux séances de clarification. Le gouvernement sera fortement interpellé à des endroits donnés. Qu'il vous souvienne qu'au début de la mandature, le ministre Pascal Irénée Koupaki a été presque rabroué par une dame à Alada, qui lui a dit « Oui, c'est beau tout ce que vous dites, mais nous, on ne trouve pas à manger. » Et le ministre, dans sa gêne, a dû calmer la situation. Peut-être que c'est ça qui a suscité
le calme après, parce qu'ils vous souviennent qu'on a entendu le concept de normaux, communication, et ainsi de suite. Donc, juste après ces législatives, le gouvernement a dû constater, d'ailleurs c'est même inhérent à tout système politique, et c'est même, ça participe de la stratégie politique, a dû constater qu'il faut descendre pour parler. Peut-être aussi, pas forcément pour convaincre, mais pour écouter, pour voir, est-ce que notre message porte suffisamment. Si on constate à l'issue de tous ces exercices que ça ne marche pas, peut-être qu'en 2021, il va falloir rebrousser chemin pour ne pas subir une honte monumentale. Mais si le gouvernement constate que ça prend les populations, parce que, écoutez, les mécontentements qu'il vient de dire là, c'est qui finalement? Ce sont les intellectuels. Vous reculez de Cotonou, de Parakou, il y a des régions du Bénin où les gens n'ont que faire de la Constitution, les gens n'ont que faire de la charte des partis politiques. Les gens cherchent le pain quotidien. Les populations qui vont marcher, qui vont au champ, ne cherchent que le pain. Quand c'est comme ça, le gouvernement veut voir, est-ce que la mentalité de ces gens-là continue d'être peut-être dans son camp? Et c'est tout l'intérêt de cet exercice. C'est pour ça que je dis, vu aussi les enjeux de ces prochaines élections où les partis seront encore beaucoup plus nombreux à participer, où le gouvernement va devoir convaincre de son hégémonie les partis comme Union progressiste, Bloc républicain, ministre Alain Auron, il est du Bloc républicain, ils vont devoir montrer qu'ils sont à l'Assemblée, certes, mais qu'ils méritent d'être là et qu'ils n'ont pas volé le Parlement pour emprunter ce terme-là à des gens politiques. Donc, c'est un enjeu capital pour l'exécutif. Est-ce que, Mouriagou, est-ce que le choix de ces localités ne relève peut-être pas des dernières actualités, vu qu'une commune de la localité a été théâtre de plusieurs affrontements? La commune, la localité qui a été au cœur de ces affrontements, j'allais dire, c'est Savalou. C'est Savet. Donc, on voit bien que ces trois localités visitées, ajoutées aux quatre, forment le quatuor de la région. Et Savet, Banté, Tassa, Savalou. Et donc, c'est sûr que ces affrontements qu'il y a eu devaient susciter des mécontentements. Ça aurait eu des répercussions de mécontentement sur les autres régions, peut-être. Et donc, c'était normal, il n'est pas allé d'abord au cœur, au foyer de la région, ou au cœur plutôt de la région où il y a eu affrontement. Et je pense certainement qu'ils seront en train de se préparer pour y aller. Et donc, il est d'abord allé voir les populations de Dassa, Banté, Savalou. Savalou, pas de problème. Dassa aussi. Mais Banté, je vous l'avoue, Banté, quand même, c'est un bastion de... des FCBE, on peut le dire, hein, on peut le dire. Oui, et donc, Komi Koutier avec sa base. Et donc, on comprend bien que c'est des populations qui, quand même, boudent un peu. Et il a bien fait d'aller là-bas. Il a parlé de suggestions, il a parlé de reproches, pour écouter ces gens-là, qui ont forcément des choses à lui dire. Dans un reportage de 2 minutes 30 ou 2 minutes, on ne pouvait pas tout faire ressortir, tout ce qui a été dit, toutes les préoccupations des populations. Mais quand même, je pense que, comme Jésus-Christ l'a dit, wait and see. Alors, donc, c'est des démarches, en tout cas, fondées de la part du gouvernement, qui... à travers donc ces sorties. Et c'est des démarches salutaires, il faut le dire, c'est des démarches salutaires, parce que le Bénin ne se limite pas ici, au sud, à Bomé et tout. Le Bénin, c'est tout le territoire national. En tout cas, la coïncidence avec la période, la grande période électorale, a fait penser à beaucoup d'autres choses, on l'a dit. Bien sûr. Mais dans l'esprit, enfin, dans la tête du président Patrice Talon 2021, une candidature pour 2021, ce n'est pas encore ça sa priorité, mais plutôt les actions, son bilan. Et c'est ce qu'il a, il a fait savoir également la dernière fois, quand il était en sortie aux États-Unis, quand la question lui a été posée par un journaliste. Que pensez-vous de ces propos? Est-ce que ce n'est pas une façon de détourner les attentions, d'entretenir peut-être le doute? Est-ce que c'est vraiment sincère de la part de Patrice Talon, vous le pensez? Bon, je ne peux pas dire si c'est sincère ou pas, mais je pense que Patrice Talon... il démontre une fois encore qu'il est très habile. Je n'utiliserai pas l'adjectif rusé pour encore alimenter beaucoup de polémiques, mais il est très habile et très vigilant. Patrice Talon, président de la République du Bénin, il disait le 6 avril à Porto-Novo, « Je ferai de mon mandat unique. » Et la phrase continue, « Mandat unique,
cette expression m'intéresse. 2017 avril, 4 avril 2017, l'Assemblée nationale rejette sa proposition de révision constitutionnelle. Peut-être un peu trop touché. Il se dit, bon, si c'est ça... Tu n'es pas habitué à l'échec. Justement. Peut-être un peu trop marqué par cet événement. Il se dit, si c'est ça, bon, on laisse tomber tout ça et on continue. La Constitution dit 2 mandats, pas plus. Alors, puisque je remplis encore tous les critères, si en 2021, les gens choisissent de porter leur voix sur moi, peut-être que je vais encore renouveler ma candidature. Et il a oublié l'expression mandat unique. Ce n'était plus d'actualité. Plus tard, on a commencé, en tant qu'homme des médias, à pousser le bouchon. Est-ce que vous serez candidat? Est-ce que vous serez le candidat? Les confrères lui ont posé la question à des occasions télévisuelles. Et à chaque fois, il répondait, soit j'aviserai, soit les conditions nous permettront de décider. Et jusqu'à présent, il continue de jouer sur cette, on va dire, cette piste de vigilance pour ne pas dévoiler toutes ses cartes. Parce que ça peut avoir plusieurs conséquences. Si jamais il disait là maintenant, je ne serai plus candidat. Ou alors, je serai candidat. Quels sont dans les deux cas ? S'il dit je ne serai plus candidat et qu'il le redit actuellement en 2020, c'est fini. Les Béninois vont, même si après il revient par tous les moyens, ce n'est plus évident que ça porte. Même ses propres partisans vont commencer à aller chercher en leur propre sein un autre candidat. Il risque de finir. Oui, oui, justement. Avant son mandat. Avant son mandat. Un peu comme l'autre était fini, justement. vous faites bien la liaison. Donc, il risque de ne plus être d'actualité. Ses propres partisans vont commencer à chercher en leur propre sein. Je vais parler des grands partis politiques qui sont à l'Assemblée. Un leader qui puisse lui succéder. Et même si lui, après, il revient pour dire, bon, c'est vrai que j'avais décidé de ne plus me reprendre. Ça ne va plus porter. Mais s'il dit là, tout de suite, je suis candidat, ça va détourner toutes les attentions sur ses actions. Plus personne ne va forcément voir dans tout ce qu'il fait une volonté de développer le pays. Oui, la question de l'asphaltage, les gens, ils voient quand même une visée. Justement, on va dire, oui, il est encore descendu parce qu'il avait dit hier qu'il devrait se représenter. Donc, c'est un peu vigilant. Et je crois même que sur le plan de la communication politique, c'était même la meilleure carte à jouer pour dire, bon, je ne sais pas encore, ce n'est pas ma priorité, mais il ne peut pas dire que ce n'est pas sa priorité. Peut-être qu'il va dire, je ne veux pas répondre. Mais Patrice Talon, il n'a pas décidé en 2015 d'être candidat en 2016. Il le savait bien avant. Et donc, est-ce qu'il sera candidat en 2021? Je crois que dans sa tête, il a sa petite idée. Peut-être qu'il attend encore des indices pour bien se conforter dans sa position. Mais il se fait une idée. Mais quand même, avec ce qu'il a pu démontrer, l'hégémonie, la maîtrise, Adam Riagua, la maîtrise des acteurs politiques, du système politique et tout, est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon pourrait peut-être avoir, vu vos raisonnements, quelques craintes de ce qu'il peut arriver telle ou telle conséquence s'il ne déclarait peut-être pas? Parce que nous sommes pratiquement à un an de cette présidentielle-là aussi. Aujourd'hui, il a démontré sur toute la ligne qu'il maîtrise le système et les acteurs politiques. Oui, il y a une chose qui ne devrait pas nous échapper. Le président Patrice Talon a demandé que nous allions vers un mandat unique. Et il a demandé qu'on l'intègre dans notre texte fondamental. Nous avons touché au texte, est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Donc, ne demandons pas au président s'il va faire un mandat unique ou pas. Il nous a donné l'opportunité de lui imposer un mandat unique pour qu'il respecte sa parole. Maintenant, c'est à cette seule condition-là, quand il a dit « je veux un mandat unique », il a ajouté « je voudrais qu'on l'intègre dans les textes fondamentaux ». Est-ce que nous l'avons fait? On ne l'a pas fait. Par conséquent... Oui, mais quand vous dites nous, là, nous, nous ne sommes pas des acteurs politiques. Non. Vous parlez de qui, nous? Puisque lui-même étant Patrice Talon, chef de l'État, est devenu un acteur politique. J'aime bien votre question, oui. J'aime bien. C'est vrai. Bon, nous, Béninois, alors. Et puis, dans la tête des Béninois également. J'aime aussi cette question. Je ne me trompe pas. Si je me trompe, je n'ai pas fini. Quand il parlait de mandat unique, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Quand il parlait de mandat unique, est-ce que Patrice Talon n'a pas dit que c'était inhérent quand même aux réformes qu'il allait apporter? Oui, il avait dit que un mandat avec une possibilité de renouvellement faisait que le chef de l'État qui venait ne se préoccupait plus de ses actions, mais se préoccupait de sa réélection.
Et donc, du coup, avait peut-être un peu tendance à être sentimental dans ses prises de décision, voilà. À ne pas être objectif, voilà. À ne pas peut-être emprisonner ceux qui sont coupables de détournement des fonds publics, ainsi de suite. Donc, il dit, moi, mon mandat sera un mandat de transition, mais un mandat de réforme. La réforme que je veux d'abord de façon fondamentale, c'est que tout chef d'État puisse faire peut-être plus de 5 ans, un peu plus de 5 ans, mais un mandat unique. Voilà. Après, les gens l'ont rejeté. Oui. Donc, bon. Donc, alors, puis, mais moi, j'essaie d'apporter des lois, mon moulin. Est-ce que c'est c'est le rejet de ces réformes-là qui font des penser politiques. Aujourd'hui que Patrice Talon pense qu'il faut Ce n'est pas lui. Non. Est-ce que, parce que moi, je n'avais pas... Si Patrice Talon pensait réellement faire un mandat, je crois que quel que soit, même si les réformes ne donnait peut-être pas ce qu'il pensait avoir, il pourrait peut-être rester. Puisque dans sa logique aujourd'hui, quand il dit qu'il ne pense pas à une probable candidature encore, à se représenter encore pour 2021, mais que c'est son bilan qui l'intéresse, ça veut dire qu'il est resté dans sa logique. Il veut faire des résultats. Dans sa logique, il dit résultats, simplement des résultats. Il veut faire des résultats. Et puis, après les résultats, vous avez vu ça, la réponse qu'il a donnée sur VOA. Ça dit que, il a dit que lui, il veut faire les résultats et qu'il avait demandé qu'on aille au mandat unique et qu'on l'intègre dans les tests. Ça n'a pas été fait. Et donc, lui ne veut pas rester dans l'optique où le président veut faire deux mandats et donc, comme l'a dit Zikis, veut plaire et à la classe politique, aux populations. Lui veut faire les réformes, il veut avancer. Donc, si les politiques lui donnent l'opportunité, il n'a pas dit ça, c'est moi qui interprète ça ainsi. Si les politiques alors lui donnent l'opportunité de se représenter, son temps, il va se représenter. On passerait peut-être pas les campagnes de suscitation. On ne va pas. On en a vu. Et c'est ce qui va arriver. Vous avez bien fait de le dire. Vous avez bien fait de le dire. Suscitation de mandature, ça, il faut attendre quelques mois. Mais est-ce que là, ce n'est pas peut-être de la manipulation simplement? Ça peut l'être, mais on ira vers cette manière-là pour qu'il puisse se dédouaner. Mais je pense qu'à cette étape-là, même s'il dit oui, j'avais parlé de mandat unique, mais vous ne me l'avez pas imposé, dès lors, je serai candidat. Qui va lui en vouloir? On ne peut pas lui en vouloir parce que l'argument qu'il aurait utilisé serait valable. Il va dire, j'ai dit, de l'intégrer dans les tests, vous ne l'avez pas fait. Et donc, par conséquent, je peux me représenter. Donc, si vous m'en donnez l'opportunité, pourquoi ne pas continuer ce que j'ai entamé? Alors, je ne suis pas d'accord un peu avec Corneille sur cet aspect-là. Vous savez, d'abord, actuellement, si Patrice Talon revenait, c'est-à-dire en tant que candidat en 2021, personne ne va lui en vouloir. Il n'a violé aucun test, c'est vrai. Mais pour le respect de la parole, oui, mais pour le respect de la parole donnée, la parole politique, je crois qu'il y a un petit vice quelque part. Parce que, donné quelle parole? Si, je vais vous le rappeler, en avril 2016, il a dit, bien avant, il a dit mandat unique. En avril, prestation seulement, il a dit. Le 1er août 2016, à l'occasion d'une rencontre télévisuelle avec des hommes des médias et même des acteurs de la société civile, notre confrère André Dossa lui a posé clairement la question pour dire, bientôt vous allez introduire le projet. Et si ça ne portait pas? Voilà que vous avez tout le temps promis de faire un mandat unique. Et si ça n'aboutissait? Étant donné que la question était posée de façon aussi limpide. J'aviserai. Et il a dit, même si ça n'aboutit pas, moi je ferai un mandat unique. Cette seule partie-là de toute l'histoire qu'on peut faire de Patrice Talon fait que, il avait donné une parole et du coup, je suis un peu d'accord. Mais même s'il ne viole aucun test, il avait promis le premier. Même si vous suscitez ma candidature, je ferai. Non, je suis d'accord, Maurice. Je suis d'accord. Mais je dis qu'il avait donné une parole et que on ne lui en voudra jamais d'avoir voulu encore être présent. Mais il avait dit. Et en tant que journaliste, on doit le rappeler. Voilà. Ah non, mais je suis vraiment d'accord avec Maurice parce que même si le président dit oui, je tiens mon mandat unique et qu'on suscite sa candidature de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que finalement, ils disent oui. Voilà. Mais aujourd'hui ce qui va être déterminant, si Patrice Rang sera en tout cas présent en lice pour 2021 ou pas, ce qui va être déterminant vraiment, c'est son bilan, puisque lui-même, il a dit et il tient à ce bilan. Tu veux faire des résultats. On pourrait estimer aujourd'hui que. On a eu déjà du temps, parce que 4 ans. Il ne reste que quelques mois simplement. Je suis d'accord. Apprécions un peu ce bilan. Très bien. Est-ce que les éléments de ce bilan aujourd'hui peuvent nous permettre, nous, d'entrevoir peut-être que Patrice Talon pourrait se dire oui, on en a fait assez
on a satisfait à certaines revendications, on a amélioré les conditions. Le péage a tellement évolué qu'aujourd'hui, je suis fier de ce bilan et je pense quand même que je peux encore mieux faire, donc me représenter. Est-ce qu'on peut faire un peu d'analyse aujourd'hui, le bilan, pression, le bilan. Très bien. Non, sur cette question, je crois qu'il va falloir aller vraiment sans sentiment du tout. Le gouvernement du président Patrice Talon, de 2016 à 2020, on ne peut pas le mettre, si on était des mathématiciens, sur un schéma de parallélisme avec le gouvernement de Bonnier de 2006, peut-être à 2010. Non, on ne peut pas le faire parce que dans le deuxième exemple, on a eu beaucoup plus d'actions d'éclat, d'actions populistes, contrairement à ce gouvernement. Mais ce que le gouvernement peut vendre, c'est d'abord sa volonté de nettoyer la pègre. Le Bénin a été reconnu, et ça, personne ne peut me contredire, comme étant un pays où il y a le plus de corruption au monde, d'abord en Afrique et dans le monde. Patrice Talon le savait, parce qu'il était dans les serailles de l'exécutif depuis des années. Contrairement à ce que les gens savent, Patrice Talon, il connaît presque tous les acteurs politiques qui sont là actuellement, que ce soit des anciens. Il a démontré, justement. Bien sûr, il les connaît tous. Donc, cette volonté-là, pour lui, de lutter contre la corruption, c'est quelque chose de fondamental. Actuellement, l'Afrique du Sud est dans un combat de lutte contre la corruption avec une procédure contre Jacob Zuma, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Et beaucoup de pays rêvent de pouvoir se débarrasser des délinquants fiscaux, des criminels économiques. Et Patrice Talon a montré, peut-être qu'il a fait des erreurs, peut-être qu'on peut même faire un procès pour dire, oui, ben pourquoi c'est quand même ceux qui sont contre lui, chaque fois qu'ils vont, pourquoi ses propres partisans, peut-être un modeste Toboula va en prison après, pour raison de maladie, il a le droit de se faire évacuer par les autres. Oui, on peut faire tous ces procès-là, mais au moins il y a une volonté politique que les autres gouvernements n'avaient pas, ou du moins un courage pour affronter, on va dire, les injures, beaucoup de calomnies. Et quand vous en parlez, pensez à la Belge, la Guinée, par exemple. Bien sûr, il n'a pas eu froid aux yeux pour prendre des décisions les plus difficiles. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez valeureux. Ça reste des atouts. Hein. Bien sûr, ça reste des atouts. L'autre avancée, même si encore cette avancée contient en elle-même des écueils, c'est la réforme du système partisan. Vous savez, avec l'arrivée de Boni Yayi au pouvoir, même bien avant Boni Yayi, les gens avaient déjà cherché à toucher la Constitution. Ça n'a pas marché depuis Kérékou. Et parmi les choses, les nouvelles dispositions à mettre dans la Constitution, il y avait aussi réglementer la vie partisane. Pourquoi a-t-on opté en 1990, à l'occasion de la conférence de même en février d'ailleurs, au multipartisme intégral, et en 2019 ou en 2017, je n'en sais rien, on enregistre plus de 230 partis politiques au ministère de l'Intérieur dans un pays qui compte 77 communes. Ça, c'est quel fonctionnement de partis politiques? La preuve, vous voyez parfois des partis dont le siège, c'est le sac du président. Absolument. Et d'ailleurs, où sont véhicules. Où sont véhicules. Et les militants, c'est peut-être une dizaine, une poignée, mais il est président de parti. En ce titre, il va grappiller des points, il va même peut-être anarquer des bailleurs de fonds, je n'en sais rien. Et donc, tout le monde disait, oui, réformons, réformons, mais comment réformer? Eux tous, ils ont même personne fait... Personne ne voulait, voulait réformer. Justement, ils ont même fait des séminaires parlementaires. Des avancées. Ça n'a jamais été fait. Le gouvernement politique. Actuel, sous ce gouvernement, on a pu avoir le courage de faire la réforme. Après, on a dû constater que oui, ça a été très difficile à digérer. Qui sont on ceux qui ont fait les réformes? Ce n'est pas les députés je suis d'accord avec de l'autre mandature, je suis d'accord. De l'autre législature. Je suis d'accord. Donc, on a fait des réformes. Après, ça a suscité. Et c'est là aussi où moi, je me dis, ben, oui, sous cette même gouvernance, on a aboli, on a encadré le droit de grève au Bénin. 10 jours, pas plus, pas un. Que ce soit éducation, santé, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des avancées pour les parents. Avec la rage et la rage. Justement, mais aussi, chaque fois avec des revers pour les praticiens du domaine. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a peut-être une classe d'enseignants qui ne sont pas toujours bien traités, peut-être les aspirants métiers de l'enseignement. Mais eux, là, ils ont qui comme porte-parole, comme intelligence. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Je ne vous interromps pas. Oui. Mais permettez-moi de vous dire... Mais oui, c'est des avancées notables. Oui. Mais le Béninois qui ne connaît pas autant papier que nous, pas tellement un tel, qui est dans son village à Kouandé ou à Didia, par exemple, lui, ce qui l'intéresse,
est-ce qu'aujourd'hui, il a pu manger à sa faim? Merci beaucoup. Et j'avais commencé à le dire d'ailleurs. Voilà. Tout ce que je dis, ça, c'est les bilans qu'on peut vendre, que ce soit dans la presse, nationale ou internationale, où le président peut effectivement aller dire, j'ai fait. Après, comme ça a déjà commencé, cet exercice de contact direct avec les populations, ce que le gouvernement va devoir démontrer, c'est de dire, nous avons améliorer les conditions pour que vous puissiez manger. Et je ne crois pas que là, qu'il puisse y avoir beaucoup de données, beaucoup d'avancées. Vous savez que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a une montée un peu inquiétante du taux de suicide au Bénin, où des gens se donnent la mort. Peut-être dégoût de la vie. Oui, je souffre trop. Un enseignant est mort récemment. Il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que depuis des années, son salaire ne change jamais. Alors que sa responsabilité grandit. Donc, des gens meurent comme ça, se suicident, ainsi de suite. Donc, le gouvernement, c'est parce que le gouvernement va devoir dire aux populations, peut-être, et je pressens que, parce que quand on écoute Patrice Talon, quand on écoute ses ministres, ce qu'on va peut-être dire, oui, serrez les ceintures, vous rappelez cette expression, serrez les ceintures. On finira par dire peut-être que, bon, on avait voulu que vous puissiez vous sacrifier pour qu'à l'occasion des prochaines mandatures, que ce soit nous ou pas, que nos actions maintenant puissent améliorer les conditions. Voilà. Peut-être que, et je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais je sais que ce serait presque le discours pour les populations lambda. Anne Mouriawa, quels sont vos avis par rapport à cette question? Parce qu'aujourd'hui, il y a le piaget, il y a beaucoup de voies, de routes qui sont en réversionnement ou en construction. On l'avait répété au président Nicéphore Soglo, on ne mange pas les pavés. on ne mange pas les pavés. Donc, on ne va pas manger aujourd'hui, la patate. On verra si on va manger les bitumes, parce qu'on ne mange pas les pavés, mais aujourd'hui, c'est les bitumes dans des rues. Insoupçonné, donc on verra ce que les populations diront, mais vous avez dit quand même que le monsieur qui est peut-être quelque part tchoumi tchoumi, est-ce qu'il mange à sa faim? Il ne mange pas forcément à sa faim, mais parce que il faut le reconnaître, nous avons connu un accroissement de notre du taux de croissance, croissance. Oui, c'est vrai. Qui était peut-être à 3 ou moins, un peu moins de 4 % qui est passé jusqu'à au-delà de 7 %. Et donc, ça montre quand même que si le taux, nous avons connu un taux de croissance aussi rapide de 2016 à maintenant, qu'il y aura forcément un écart qui va se creuser entre les classes. Donc, les pauvres vont un peu plus s'enliser, alors que l'autre classe va un peu plus prendre du volume. Donc, c'est des réalités dans les pays dont la croissance économique monte. La pauvreté, c'est vrai, on ne pourra pas réussir à régler tous les problèmes de pauvreté, en tout cas pas en 5 ans. Et donc, il faudrait vraiment mettre en place, penser à la chose, mettre en place une politique pour pouvoir faire face à cette pauvreté galopante dans certains milieux. Donc, je pense quand même qu'avec le recul et avec le temps, la politique se mettra en place pour véritablement pallier cette difficulté-là. Donc, c'est ce que je pense. Et donc, il va falloir encore souffrir un peu parce qu'on on ne tend pas vers le développement, sa souffrance. Quand on sait d'où nous venons, la même population qui dit qu'elle ne mange pas reconnaît un peu les efforts et elle-même dit que hier, c'est parce que l'argent était facile, l'argent facile circulait. Aujourd'hui, on sait les vannes sont serrées, je ne vais pas raconter une anecdote, une personne voulait corrompre son vis-à-vis et voulait lui remettre de l'argent et il lui a dit, dépose ça par terre. Donc, il n'a qu'à laisser tomber, lui-même, il viendra chercher après. Donc, les gens ont conscience que la corruption aujourd'hui, c'est ce qui minait le pays et que donc, avec les résolutions prises face aux corruptions reconnues sur le plan surtout international par les institutions. La criette qui aujourd'hui, véritablement,
La surveillance, elle est rude et tout le monde craint, on craint l'autre. On dit, ah ben, est-ce qu'il n'a pas été envoyé par hasard? Et imaginez dans ces affaires de carte d'identité, par exemple, où j'ai appris qu'un jeune qui n'était même pas de ce secteur-là et qui restait, qui fait, je ne sais pas s'il se prenait comme un démarcheur ou bien. En tout cas, il a été piégé. Et donc, à l'heure où on parle, peut-être qu'il est en train de gratter ses dents contre les portes d'une prison quelque part parce qu'il a dû intervenir dans une affaire de cas d'identité où il a pris des sous, ou bien il a été piégé. Donc, chacun se méfie. Donc, il va falloir faire très attention et savoir que face à la corruption, nous devons prendre du recul et mettre fin résolument aux actes de corruption auxquels on assistait. Donc, il y a plus de l'argent facile. En tout cas, donc, pour difficile. Le moment, le bilan est satisfaisant dans beaucoup de domaines. Mais il reste également. Peut-être en 30 secondes. Vous savez, le gouvernement avait inauguré ou initié un programme fin zéro. Jusqu'à présent, je ne sais pas où encore, où est-ce qu'on en est. Voilà. Il y avait eu un rapport qui a été rendu au président de la République par Mathieu Nago. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Quels sont les résultats palpables? Peut-être qu'il va falloir qu'un jour, Alain Rola puisse nous informer dessus. On a besoin de savoir. Il y a eu aussi des questions sur lesquelles on va devoir interpeller le gouvernement, c'est la question de l'emploi des jeunes, où je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de structures qui ont été dégraissées. Plus vous dégraissez des structures, plus des familles tombent dans la misère, donc ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont donc... En tout cas, en son temps, de... quand le bilan sera fait, la population et bien sûr les électeurs pourront mieux apprécier en son temps. C'est dit qu'il y aura beaucoup, beaucoup de surprises les prochains mois, en tout cas après les élections, dans le cadre de la préparation de la présidentielle 2021. Voilà. Merci à vous, Gilles Christidi, journaliste politique en face, Arnaud Moriagua, journaliste à Eden TV, présentateur bien sûr de la revue, du JT également. Auditeur ou téléspectateur, j'allais dire, du forum de la rédaction, le tout dernier sujet. Et voilà, ça va être encore un peu plus intéressant. La visite, bien sûr, de la délégation de l'Assemblée parlementaire, de la francophonie, ce qu'on retient, simplement que la démocratie va bien au Bénin. Le Bénin reste encore un modèle démocratique dans la sous-région, pendant qu'au Parlement, nous avons peut-être un Parlement monocolore. Et nous savons les conditions dans lesquelles ce Parlement a été mis en place. Nous savons également qu'au rang du classement des pays les plus démocratiques, le Bénin a perdu 16 places au plan mondial. Que pensez-vous alors des déclarations du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président du Parlement ivoirien? Oui, justement, Madou Soumaoro qui a fait ce point. Je vais peut-être vous étonner. Qu'est-ce que la démocratie? Lorsqu'on vous pose la question de savoir qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce qu'on peut répondre? Même les plus éminents constitutionnalistes, juristes, ne pourront jamais donner une définition assez claire et succincte. Lorsque vous regardez un peu les États dits développés au monde, la Chine, est-ce que la Chine est un État démocratique? Où vous avez actuellement un chef d'État, Xi Jinping, qui a pour mandat toute sa vie, il doit rester au pouvoir. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale chinoise comporte 1000 députés au moins et tous les députés ont donné carte blanche dans la Constitution, on veut un président à vie. Pourquoi? Pour pouvoir permettre au pays d'avancer. Vous regardez à côté la France, les États-Unis, où il y a l'alternance. Pour eux, la démocratie est synonyme de l'alternance. Regardez un peu le système britannique et le système allemand, où on a peut-être un chef d'État, mais celui qui est l'homme fort, c'est peut-être le Premier ministre, ou le grand chancelier, l'Allemagne par exemple. Est-ce que c'est ça la démocratie? Ou parfois vous avez l'impression qu'il ne bénéficie pas d'un suffrage universel direct. Le peuple ne l'a jamais mandaté directement, mais c'est lui qui décide quand même. Est-ce que c'est ça la démocratie? D'où le concept de démocratie un peu ambigu, un peu difficile à cerner. Mais si nous prenons dans le contexte béninois, étant donné que nous alignons sur le modèle français, que la démocratie c'est l'alternance au pouvoir, on peut dire peut-être que le Bénin se porte bien au plan démocratique. Mais est-ce que la démocratie se limite seulement à ça? Est-ce que la démocratie n'est pas aussi le fait que quelqu'un qui forcément n'apprécie pas ce que fait un gouvernement soit libre de le dire où il veut, peut-être dans des termes assez courtois et assez, on va dire, acceptables? C'est ça aussi la démocratie. Et lorsqu'on prend un peu ces différents paliers, on se rend compte que oui, nous avons l'alternance. Peut-être que les législatives
dernière, on jetait un peu de l'opprobre sur le Bénin. Voilà. Bien sûr, où on a eu un Parlement composé à 100% de députés qui soutiennent l'action du chef de l'État. De l'opposition. Justement, bon, si, et là encore, bien sûr, et là encore, on cherchera enfin le test dans lequel on dira que avant qu'une Assemblée nationale ne soit valide, il faut qu'il y ait forcément de l'opposition. Aucun texte ne le dit. D'où on ne peut pas, on peut même pas dire au Bénin que vous n'êtes pas démocratique. Est-ce que l'élection a eu lieu? Oui. Est-ce que c'était conforme au texte? Oui. Les textes ont-ils été votés régulièrement? Oui. Est-ce qu'on a la séparation des pouvoirs? Justement, est-ce qu'on a la séparation des pouvoirs? Oui. Donc, du coup, moi, je comprends un peu l'analyse de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui conclut que oui, tout va bien. Effectivement, tout va bien. Lorsque, après, vous prenez un peu de recul et vous causez avec un homme politique de l'opposition, vous écoutez lui ses arguments. Pourquoi dira-t-il qu'il n'y a pas de démocratie? Parce que lui n'est pas élu peut-être, ou son parti politique n'a pas pu compétiter. Mais à qui la faute? Peut-être dira-t-on, oui, on a pris les tests pour nous caler, mais qui a voté les tests? C'est encore vous les hommes politiques. Donc, sur ce plan-là, je crois que sans sentiment, on peut comprendre cette analyse, mais on a encore des fois à faire. Effectivement, dans le classement, on a perdu des points. Vous vous souvenez, dans le classement de 2019-2018, de reporter sa frontière, on a aussi reculé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, et ça je le dis encore haut et fort, qu'il y a beaucoup plus de peine à entendre des voix discordantes sur des organes de presse, dans la presse écrite. Lisez un peu les journaux, vous verrez. On a presque l'impression que les presses écrites font une conférence de rédaction commune. Lorsque les étrangers voient ça, il y a deux raisons qu'on puisse dire, bon, oui, Bénin, ah, en 90, c'est quand même vous qui avez donné l'exemple de la conférence nationale. Et vous êtes considéré comme le laboratoire de la démocratie. Mais comment se fait-il que tous les organes de presse proposent des titres aussi sympas pour l'exécutif? Voici des chaînes de télévision, des chaînes de radiodiffusion. Difficilement, vous allez entendre des informations qui dérangent. Vous voyez? Donc, lorsque c'est comme ça, je crois que... Et je félicite d'ailleurs Eden TV qui offre ce plateau pour qu'on puisse dire objectivement ce qu'on pense. En tout cas, merci. Donc, voilà, justement. Et je crois qu'on a encore des efforts à faire sur ce plan-là, notamment, même si on peut dire qu'on évolue quand même. D'accord. Anne Mouriagoua, est-ce que vous prenez également cette déclaration avec des pincettes ou... Je pense quand même que Jésus-Christ a balisé tout le terrain. Il a donc dit ce qu'il fallait. Qu'est-ce que le président du Parlement, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, lui, quelles sont les conditions qu'il faut être remplies pour que lui dise que la démocratie est en marche? Quand il est descendu à l'aéroport, est-ce qu'il a vu des obus? Il a entendu des obus? Il a pu circuler librement, il a vu des émigrants souriants sur son passage, il s'est rendu à Porte Nouveau, il a vu que le pays vit, et puis il n'a pas vu des gens positionnés au carrefour, mais renvoyer les armes en main comme s'ils attendaient des affrontements. J'apprécie votre Donc, ironie. Non, je vous jure, moi, je sais, je vous assure. Donc, lui, pour lui, quand il n'y a pas tout ça, il a pu être rencontré par... Il a rencontré le président, il a été reçu par le président, et donc il a échangé, on lui a donné des explications, et tout cela s'est déroulé dans la tranquillité. Donc, pour lui... tout va bien. Et donc, si j'ajoute tout ce que j'ai dit à ce que Jésus-Christ a dit, c'est normal qu'ils disent que la démocratie se porte bien. Et donc, et c'est dans le fond, en fait, il faut aller un peu plus dans le fond pour mieux comprendre si tout ce que nous avons vécu de février à maintenant, il faut être à l'intérieur pour comprendre on veut mieux. Et pour nous, ayant connu une démocratie que vous savez, avec ce que nous connaissons, nous avons eu à connaître, ça veut dire qu'il y a eu flottement. Et donc, on se permet quand même de faire des critiques, de dire non, ce n'est pas ça la démocratie que nous avons connue. Nous avons eu la chance de connaître une forme de démocratie. Et pour nous, ça devait continuer. Et donc, voilà. Bon, c'est consommé. Merci. Merci en tout cas à vous. Les analyses vont se poursuivre certainement. On aura d'autres plateaux également pour poursuivre, puisqu'il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire qu'on n'a pas pu, et bien sûr, ressortir sur ce plateau du forum de la rédaction. En tout cas, moi, je continue de prendre un peu avec des pincettes cette déclaration, parce qu'il y a beaucoup d'événements, et beaucoup d'événements ces dernières années au Bénin. On en est conscient. Également. Et quand je prends ce classement sorti en décembre dernier, l'un des critères sur lesquels le Bénin a chuté, c'est bien sûr le processus électoral
les dernières législatives de 2000. Oui, le président a dit à Washington que ce sera corrigé, qu'il y aura des élections inclusives, donc en ce qui concerne les communales et les municipales. En tout cas, ça a été une promesse du président Patrice Talon, et nous savons qu'il, et bien sûr, sait, et bien sûr, joindre l'acte à la parole. Merci à vous, J-Chris. Bien sûr, c'est la première fois que vous êtes venu sur ce plateau du Forum de la Rédaction. Nous espérons quand même vous voir, bien sûr, régulièrement sur ce plateau avec nous. Merci à tous les confrères qui participent à cette émission, toute l'équipe de réalisation matin, Tony Say, Denis Maroya, Jean-Baptiste Bocor, et bien sûr, et tout le reste, ceux qui sont restés, et bien sûr, dans l'ombre pour accompagner cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. J-Chris Chidi, merci, journaliste politique Arnaud Maurice Aguaque. Vous connaissez également sur ces antennes de l'IDN Télévision. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour, et bien sûr, les autres fois. Au revoir.